Ouais, bah là on est au Club Nautique de Nyon pour l'avant-dernière étape du M2 Speed Tour. Bah, on a eu des bonnes conditions, hein, du sud-ouest, entre je dirais 8 et à la fin c'est peut-être monté à 15 nœuds. Vraiment on a fait 7 manches hier, 6 manches aujourd'hui, toujours dans du bon vent, soufoque, donc c'était vraiment pour moi un super week-end et une super découverte du M2 pour une première. On a vu un peu ce qui allait pas hier, le vent était un peu plus faible, on avait un peu de mal, on faisait pas bon cap, on était un peu derrière. Et on a fait pas mal de réglages aujourd'hui qui ont bien marché. Et il y a beaucoup de petits réglages sur ce bateau, il y a vraiment beaucoup de choses à maîtriser. Et c'est vraiment bien quand on voit que ça marche, quoi, qu'on change quelque chose et tout de suite le bateau est différent. Je m'appelle Sébastien Schneider, j'ai 21 ans et ce week-end, j'ai navigué sur le bateau Tradition avec l'équipage de Tilt. On a eu la chance d'avoir la proposition de pouvoir naviguer sur Tradition avec notre équipage d'amis depuis la Youth. Donc on a tout de suite sauté sur l'occasion. C'est un bateau qu'on connaît bien puisqu'on a commencé à naviguer en multicoque sur le M2. Ça a très bien marché parce que finalement, on se connaît très bien les quatre. On a navigué presque plus de 100 jours ensemble l'année dernière. Donc on a l'habitude de naviguer ensemble, la communication va bien. Sur chaque manche, il peut y avoir des équipes différentes en tête à la bouée au vent. Sur les départs, ça se bagarre bien. Donc non, c'est vraiment des belles régates et je pense que le niveau est quand même assez élevé pour cette classe. We'll be right back.